I expect us to win. I didn't leave my family. I didn't leave my All Black dreams to come here and be average. I left because I want the club to be in the top, to playing in the finals, to playing in the finals every year, and to win games. That's all I'm focused on, and that's all I'm trying to do for the club, and hopefully we can achieve that this year. Après avoir revu le match un peu à froid, c'est vrai que le score est lourd, notamment celui de Bordeaux. Mais ouais, c'est dissipé un petit peu parce qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses. On a vu qu'on a eu des situations très positives, que pendant 53, 54 minutes, on était bien dans le match. Et qu'ensuite, c'est vrai qu'on a, sur la fin, on a lâché un petit peu. On a concédé beaucoup de turnovers, on a pris des essais à très peu de temps de jeu, donc notamment sur turnovers. Mais ouais, on a aussi vu qu'on a eu quand même pas mal d'opportunités de pouvoir de faire mieux. Donc c'était un peu le message de la semaine. Et c'est vrai que après avoir vu le match plusieurs fois, c'est un peu moins inquiétant que le sentiment après le match, ouais. It's a long season, and I kind of knew it was always going to take me a little bit of time to find my feet, definitely because of the language barrier, but I'm starting to find my feet. But good things take time. It doesn't happen overnight. It's a process that it happens, and I remember back in 2016 when I was at the Hurricanes, we lost our first three games, and then we ended up winning the competition. So it's a long season. You just gotta trust the process, trust the coaches, and just try to do everything you can to put the team in a good position to win. Évidemment, il faut être conscient de la situation, et on a essayé de le faire prendre conscience aux joueurs. Parce que c'est vrai qu'on est qu'au deuxième match, mais ce top 14, il va très vite. Et au plus tu perds de matchs, au moins tu engranges de points, au plus c'est difficile de les rattraper à la fin. Surtout les équipes, pareil, il n'y a pas que nous qui sommes en rodage, il y a pas mal d'autres équipes qui sont en rodage, donc les autres équipes vont aussi progresser. Mais on n'est pas dans une situation d'urgence, mais ouais, maintenant c'est important de changer de braquet, de montrer autre chose dès ce week-end. Very physical, a lot of big men in top 14, and it's pretty scary when I'm out there. I'm trying to tackle these big men, so for me, it means very physical, but I'm loving it.